Yo tout le monde, c'est Link et bienvenue dans cette nouvelle, dans ce nouveau let's play d'un jeu que j'avais déjà fait il y a quelques temps en découverte. Et en continuant à jouer à ce jeu, je me suis dit pourquoi ne pas le faire en let's play. Voilà, parce que le jeu est tellement cool à jouer et tout, que enfin l'histoire est cool, je me suis dit pourquoi pas le faire en let's play. Donc je sais pas du tout, je m'étais arrêté pour la vidéo découverte, donc je recommence tout le jeu. Mais vu que j'ai un peu joué de mon côté, je sais à peu près ce qui se passe, et j'ai ma manette qui arrête pas de déconner, comme d'habitude, ça commence bien ce let's play. Donc, je vais vous dire un truc, pour ceux, je vais faire comme dans le truc. C'est un jeu d'horreur psychologique qui explore des sujets réels. Nous avons fait notre possible pour présenter ces thèmes d'une façon sensible et artistiquement responsable. Néanmoins, un jeu ne peut pas vous convenir si vous vous sentez vulnérable à la représentation ou évocation de certains de ces éléments. Donc, si dans tous ces éléments il y a un truc qui vous gêne, ne regardez pas ce let's play. Abus psychologique, agression physique contre des femmes et des enfants, agression sexuelle captivée, captivité, claustrophobie, détresse psychologique, enlèvement, étouffement, fluide corporel, gaslighting, je sais même pas ce que c'est, harcèlement sexuel, horreur corporelle, jumpscare, langage grossier, manipulation, noyade, trouble alimentaire. Donc si dans tout ça il y a un truc que vous aimez pas ou que vous êtes impacté négativement par ces éléments, ne regardez surtout pas ce let's play ou de jouer à des carnations. Voilà, j'ai juste mis l'avertissement juste pour ça. Et nous, et ben moi, je vais partir, je vais faire choix de la scène et on va repartir au tout début du jeu. Donc j'étais à l'acte 2, chapitre 6. Mais là, je vais recommencer de tout le début avec l'acte 1. Voilà, c'est parti, let's go. Des épisodes toujours de 45 minutes. Paris, juin 89, j'ai pas eu le temps de lire. Donc ça, on l'avait déjà vu, mais c'est pas grave. Comme ça, pour ceux qui arrivent pour juste le let's play, on roule le truc. 29 ans, c'est ça? Exact. La musique est cool. Je voulais te dire, je suis super contente d'être là, de vivre cette expérience. Disons qu'on a eu de la chance. De la chance? Ah oui, il y aura aussi beaucoup de blabla. Que je te déniche à temps dans ton cabaret. Avant que tout ça ne me croule. Oula, j'arrive pas à lire, ça m'énerve. Je suis un peu fatigué. Et la manette! Oh, j'espère que la manette fonctionnera dans les moments un peu intenses. Mais que tout ça ne croule. L'autre jour, j'ai recroisé la première fille qui a posé pour moi. On n'avait même pas 20 ans à l'époque. Ah, Fanette, belle comme le jour. Un vrai Botticelli, si tu peux imaginer. Et aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Une vieille guenon, maquillée comme un clown malade. Je veux bien faire une pause. Couverte de breloques, ramalant un petit chien pour détourner l'attention. Ça me rend malade. Ok, on est en train de se faire sculpter. Donc le jeu est sorti le 31 mai 2023 par Atelier QBD et édité par Shiro Unlimited, etc. Voilà. 4 mois plus tard, appartement de Gloria. Les musiques sont très très cool. En plus, il y a des musiques en français et tout, vu que ça se passe à Paris. J'espère que ça lui fera plaisir. Tu peux pas faire ton lit. Voilà. Et hop, vite fait, bien fait. Gueule du matin, chagrin. Qui? C'est qui? Bah, c'est Joy. Journal des rêves de Gloria. C'était une idée sympa, mais je m'en sers pour écrire mes livres, mes listes de courses. Ah, pas trop d'appétit, là. Ouais, ouais, j'arrive. Une super crème d'effet jeunesse, mesdames, en vente exclusivement ce jour. Votre peau sera survitaminée, surcontaminée, survitaminée. Oui, un spectacle dans lequel j'ai dansé cet été.
Une version sexy de la Révolution française, les touristes américains ont adoré. Le lac des cygnes, 1950. Maman avait le rôle principal, j'étais pas encore né. D'abord Joy, la toilette ensuite. Ok, allons voir Joy, qui arrête pas de toquer à la porte. Coucou chaton. Voilà, c'est ma copine. Tessé, tu crois qu'il y aura du monde? Joy, j'ai fini à 2h du mat hier, doucement avec tes questions, ok? Oups, désolé. Mais oui, un peu anxieuse, surtout curieuse de voir à quoi elle va ressembler. Eh bien, une statue de toi devrait ressembler... à toi, probablement. Tu sais ce que je veux dire? Est-ce qu'elle dira de moi? Qu'est-ce qu'elle dira de moi? Qu'est-ce que les gens verront en elle? Et... est-ce qu'elle fera craquer les étudiantes? On peut jamais parler sérieusement avec toi. Mais si, allez, va te préparer qu'on en finisse. Je t'attends dans le couloir. Écoutez la musique. Elle est trop bien la musique. Voilà, on fait la douche. Il y a des petits QTE et tout. Hop. On s'habille. En gauche-droite. Voilà. Le petit coup de parfum. Et voilà, on est habillé. Faut pas oublier ça. Hop, la petite boîte bleue pour Joy. J'ai oublié mon sac, non? Non, on s'en fout, d'accord. Hop, on sort. On sort, au revoir Joy. On prend un taxi? On prend un taxi, bien sûr. Allez, let's go. Tout l'immeuble appelle la brave vieille dame qui habite ici, mamie. Elle doit se sentir seule. Ses enfants ne lui rendent jamais visite. T'arrives? On ne sait pas qui habite là, ici, maintenant. Le précédent locataire est parti il y a 3 mois, quand il a perdu son boulot. Quand tu veux. J'arrive, attends. J'imagine qu'elle est trop prise par le divorce. Pour changer ce paillasson. Pour changer de paillasson. Quand je pense que certains ont des enfants exprès, il y a des hauts et des bas. Quand je croise avec son bébé, elle a l'air contente, comblée. Arrête tes bêtises, Gloria. 20 ans à faire la popote et plier le linge gratos, c'est une énorme arnaque. Quand elle aura mon âge, son enfant entrera en primaire. Moi, je veux un enfant en vrai. Hop. Tu crois qu'il y aura du champagne? À 10h du mat? Ah oui, le champagne à 10h du mat. Voilà, décarnation. Donc ouais, j'aurais pas beaucoup de choses à dire vu qu'il y a beaucoup de dialogues. Fondation Saint-Louis pour l'art, 10h30. Alors là, j'ai vu qu'il y a un truc à faire, on peut avoir un succès. T'imagines une statue de moi entre un Toulouse-Lautrec et un Modigliani? La pression? Du calme, Mona Gloria, ça va bien se passer. Donc voilà, là, soit on peut payer. On dirait un boomerang. Soit on peut payer, soit on peut y aller sans payer. Voilà. Et moi, je vais pas se payer, parce que dans la démo, on a payé, là, je vais pas payer. Revue des Beaux-Arts, numéro de septembre 1989. Petrus, mon art se nourrit de femmes. L'affiche de l'expo actuelle, dans la chair. Une Marilyn, la Joconde, une corbeille de fruits accompagnée d'un crâne. Oh, il y a ce fameux tableau pop-art, une grosse boîte de ravioli ou quelque chose comme ça. Eh, je ne suis pas ici depuis la classe d'art au lycée. Ah, vous devez prendre un ticket d'abord, mesdames. Mesdames? Oh, on doit à tout prix prendre le ticket. Bonjour. Un plein tarif et un tarif étudiant. Je pense que je suis la modèle de la statue de Petrus. Il a dû laisser un mot pour moi, je suis Gloria. Mais félicitations, Gloria, mais je n'ai pas un mot de mis de côté. Je pensais que... tout ce que j'ai pour vous, c'est une plein tarif et un tarif étudiant. Vous plaisantez? Mon ami danseuse reconnue a posé nu pour ce type, 3 jours d'affilée. Laissez-nous entrer. Sans problème, dès que vous aurez payé vos entrées. Votre ami danseuse reconnue se dénude devant qui elle veut. Toi, c'est bon Joy, c'est bon, je paye les 2 tickets. Non Gloria, ce n'est pas. Bon, ton sculpteur ne t'a même pas payé. Tenez. Et voilà pour vous, et votre fougueuse amie. Bonne visite. Ah donc on est quand même obligé de payer. Une boîte pour les dons. Faire un don? Non.
Notre boulot au cabaret paye à peine les factures. Allez, on fait pas de dons. Elle n'y était pour rien, Joy. Gloria! Tu te laisserais marcher dessus par une limace. Bon bah, let's go. Je vais pas donner de dons. Grosse affluence pour cette première. Je crois que je préfère ça. Ok, petit monsieur qui dort. Il a dû bien s'amuser là, hier soir. Ça pourrait être un client du Black Swan. Le dernier visiteur a écrit « On voulait voir des impressionnistes déçus. » Bla bla bla, air, men, éthique, transformative. Pourquoi parler d'art de façon si prétentieuse? Je peux pas courir. Non, on peut pas courir. John Everett Millet, Ophelia, 1952. Toutes les œuvres qui apparaissent dans ce jeu-là, dans cette salle, sont des œuvres réelles. C'est pas des trucs créés. J'étais allé voir pendant la démo. Une femme immergée dans un étang. Si elle n'est pas morte, elle fait bien semblant. Francis Bacon. Étude pour une crucifixion. 1944. Monstrueuse cette créature. Une sorte de bête aveugle. Ces images perturbantes semblent stimuler quelque chose chez ce gosse. Paul McCarthy. Painter, date inconnue. De ce qu'ils font avec de la peinture est dégueulasse. Quel esprit torturé a pu imaginer ça? Abramovic et Uley, Light et Dark, 1977. Un couple se giflant l'un l'autre, encore et encore. Ça fait mal à voir. Voilà pourquoi il y a plein de disclaimer au début du jeu, parce qu'il y a un couple qui se tape, l'autre c'est des gens qui jouent avec la peinture. Donc voilà quoi, c'est pas... Je vous dis, il y a des sujets qui sont très très durs dans le peu de temps que j'ai joué. Donc voilà, je vous dis... Voilà. On dirait mon prof de droit pénal, un psychopathe ce type. C'est la percée de l'abstraction qui a entraîné la peinture à sa porte. Ou à sa perte. À sa perte. Rembrandt, la leçon d'anatomie du docteur Tulp. 1632. Un paquet d'hommes en habit noir, sauf un, nu. Le pauvre, on le dissèque. Jean Honoré Fragonard, le verrou, 1777. Un homme et une femme, un rideau rouge et une lourde porte. Quelque chose de pas net se dégage de ce tableau. Une jolie rose rouge, elle semble trop belle pour être vraie. Hans Bellimer, la poupée, 1965. Deux paires de hanches et deux vulves, et un ventre bien rond au milieu. Dur de dire si l'artiste critique la société ou sublime ses fantasmes. David Lynch, Bob M. Sally jusqu'à ce qu'elle devienne bleue au visage, année inconnue. Elle est bleue, c'est l'ennui, la dépression ou l'asphyxie. Takato Yamamoto, miroir de nuit, date inconnue. Un squelette en kimono entraînant une femme. Si elle a peur, elle ne le montre pas. Et attention, là aussi, encore disclaimer en montant. Ah, mon somptueux alter ego de bronze doit être par là. Attention, je vous dis... Ah, la manette! La manette, elle est morte. Adieu, la manette, elle est décédée. Auguste Rodin, tête de musée de muse tragique, 1891. Ça, c'est bouleversant. On n'arrive pas à dire si elle aide les yeux, elle a les yeux ouverts ou fermés ou manquants. Donc oui, je vous dis... Là, disclaimer juste après. Voilà. Donc, Raoul Haussmann, l'esprit de notre temps, 1920. Impassible tête en bois, pleine d'objets métalliques. Parce que là, on a une scène un peu de viol. Donc, voilà. Ah, nous y voilà. Gloria de bronze dans toute sa gloire. Mais, qu'est-ce que... Enfin, de viol, c'était un peu... Voilà, mais quand même. En train un peu de toucher une statue en bronze. Voilà, les fameux disclaimer et tout. Ah, vraiment? Joy. À ce niveau, ça compte, hein, ou pour deux corps de femmes? C'est pour mes stats sur les fesses nues,
pour les femmes nues dans les musées? Ça dépend à quel point vous valorisez le minou par rapport au minois. Vous savez, je suis pas surprise de vous entendre dire ça. Joy, Gloria, je voudrais qu'on parte. Déjà, je veux voir ta stature vitesse alors. Pas besoin, elle n'a rien d'intéressant. Ça manque de poitrine aussi. On s'en va. Ok, let's go. Est-ce que la manette remarche ou... Non, la manette... La manette est définitivement morte. Ou pas. Ah. Non, elle est... Ah bah, elle remarche, voilà. Allez. On part du musée. Si elle... Elle était si moche que ça, ta statue. Gloria. Aïe. Franchement, qu'est-ce qu'il te prend? Rien. Je veux juste partir. Mais ta statue... Oublie la statue. Tu mens en vrai. Tu avais hâte de voir et maintenant tu la fuis. Je comprends plus rien. Cherche pas. J'ai juste envie d'autre chose. Je sais pas, un truc marrant. Attends, j'ai raté un épisode? Non. Je me suis monté à la tête avec cette statue et... Bref, tu veux faire un truc cet après-midi? Un truc avec moi? Du shopping ou... Je sais pas... On peut rester à l'appart, mater un film. Pas cet après-midi, Glo. Il faut que j'avance sur mon mémoire. Mais je... passe te voir ce soir, au Black Swan. Oui. Viens me voir dans ma loge avant le show. Ça roule. À plus tard, Gloria. À tout à l'heure, chaton. Aïe, elle est un peu piscine de la cour des lions, 11h30. Elle est un peu bouleversée, parce qu'un inconnu est en train de toucher la statue sur les parties intimes. Et je lui ai pas donné le cadeau. C'est le problème avec toi. Il faut toujours que ça se complique. Je fais mon max pour qu'on passe du bon temps. Mais toi, tôt ou tard... On fait tout foirer. Ah oui, on la noie. C'est dommage quand même. Tu fuis ton passé. Allez, noie-toi. Allez, va réviser tes fiches. Ouais, elle est en train de... La piscine est en train de faire extérioriser tout ce qu'elle pense. Voilà. Elle remet un peu ses idées en place. Cabaret Le Black Swan, 21h30. Et là, j'espère que la manette va pas faire défaut. Parce qu'on est parti dans le moment. Guitar Hero. Ladies and gentlemen, très chers amis, pour la dernière performance de cette soirée, le Black Swan a l'honneur de vous présenter la fascinante, la mystérieuse et superbe Lady Gloria. Un coup. Ça marche plus. Je repasse en clavier. Parce que la manette déconne. Allez, let's go. Oh! Attention. Oh, c'est dommage. Alors oui, la musique est joyeuse. Yeah! 3 étoiles. Voilà, on a enlevé juste la robe. Toc toc.
Tu arrives après la bataille. Désolé, j'ai fait comme je pouvais. Tout s'est bien passé. Le public était ravi, comme toujours. Je crois que j'en avais besoin après ce matin. Au musée, cette nana à l'accueil était atroce, une vraie conne. Non, Joy, je parle de toi, tu étais... évitante. Évitante? C'est toi qui as voulu qu'on se sauve du musée et sans explication. Je t'ai demandé de passer l'après-midi avec moi. Je te l'ai dit, je devais bosser mon mémoire. Ouais, le mémoire, bien sûr. J'aime pas quand tu me te comportes comme ça, comme une gamine. Gamine? Faut vraiment faire être une gamine pour utiliser une expression comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était débile. Oui, mais c'était drôle. Joy, je... Ouais? J'ai quelque chose pour toi. Ah, c'est quoi? Ouvre, ça va pas te manger. Une clé? Mon appartement, comme ça tu pourras aller et venir comme tu veux. Je ne m'y attendais pas. J'espère que tu l'utiliseras et que tu ressens ce que je ressens. Ah, Gloria! Tu es encore là! Salut! Comment ça va, monsieur le directeur? Encore là, toi? Oui, la fac ferme le soir. Et tu n'as pas de maison? Ok, j'ai pigé, je file. On ne rentre pas ensemble? Je suis vraiment crevé, j'ai encore plein de taf. Je t'appelle demain. Demain? Oui, sans faute. Glorieuse Gloria, ce soir, tu étais exceptionnelle. Merci, Aldo. Cette énergie, cette précision dans tes gestes. Qu'est-ce qui se passe, Aldo? Quand tu me flattes comme ça, c'est que tu as un truc désagréable à dire. Comment? Pas du tout. Ah ah! Tant mieux alors. Enfin, j'aimerais qu'on fasse le point, toi et moi. Sur cette année écoulée et sur l'année à venir. Ta 10e année parmi nous. On peut en parler un autre jour. Là, j'aimerais juste enfiler mon pantalon et rentrer chez moi. Bien sûr, Gloria, bien sûr, ça ne presse pas. Merci, Aldo. En fait, passe demain après-midi, qu'on règle ça. Ok, chef. Aïe, aïe, aïe. Immeuble de Gloria, 23h. Hop là. L'ascenseur monte. On n'est pas avec Joy, parce que Joy est rentrée chez elle, mais on lui a donné la clé de notre appart. On peut rentrer dans l'ascenseur? Ouais. On peut pas redescendre. Le bébé dort. Quelle bonne idée il a eue. Son ex-mari a défoncé la porte une fois, en pleine nuit. Maintenant que j'y pense, il a déménagé sans me rendre ma perceuse. Ah. Dors bien, mamie. Pourquoi il y a un bouquet de fleurs? Joy? Pas de carte? De toute façon, ça lui ressemble pas. Sans doute un client du cabaret, c'est lourd. Et voilà, je reçois un bouquet de fleurs des personnes de cabaret. Oh, elle le balance comme ça, comme un truc de pourri. Un bouquet de fleurs, comme c'est cliché. Oula, journal des rêves de Gloria. Ok, le téléphone sonne, répondons au téléphone. 23h quand même. Mademoiselle Desbastes? Qui est-ce? Ah, désolé de vous déranger aussi tard, je vous appelle de la part de Monsieur Saint-Louis. Saint-Louis? Comme le groupe Saint-Louis? Tout à fait. Je m'appelle Laurent Carnot. Votre président Hervé Saint-Louis souhaiterait s'entretenir avec vous. Votre président? Avec moi? Il vous a vu sur scène, enfin, plusieurs fois. Monsieur Saint-Louis est un de vos plus fervents admirateurs et un mécène de premier ordre. Peinture, architecture, art urbain et bien sûr, la danse. Avez-vous reçu les fleurs qu'il vous a fait parvenir? Tout à fait, elles sont devant moi, ravissantes. Parfait, quand seriez-vous disponible pour rencontrer Monsieur Saint-Louis? Afin de parler de projets artistiques. C'est gentil de sa part, mais j'ai déjà un patron. Un patron un peu radin, certes, mais je suis bien au Black Swan. Pardonnez-moi si j'ai pas été assez clair. On n'est pas un simple emploi que nous souhaitons vous offrir, mais une nouvelle étape de votre carrière d'artiste. Vous allez enfin pouvoir créer un spectacle complet à votre image. Vous aurez à votre disposition un large budget et une liberté totale. Oh. N'est-ce pas ce dont tout artiste rêve? Le spectacle sera présenté à Paris, bien sûr, et dans plusieurs capitales d'Europe, ainsi qu'à New York, Los Angeles et Tokyo. J'ai toujours rêvé d'aller à New York, déambuler sur Broadway,
couvrant la statue de la liberté. Quand seriez-vous disponible pour en parler plus en détail avec monsieur? Mademoiselle de Bast. En fait, ça ne va pas être possible, je suis désolé. Je ne suis pas l'artiste que votre patron s'imagine. Merci quand même d'avoir pensé à moi. Au revoir. Attendez, Gloria. Monsieur Saint-Louis, nous voulons juste vous aider. Hein? Prenez au moins mon numéro si vous changez d'avis. Je suis à votre service. Si ça peut vous éviter des soucis avec votre patron, je prends votre numéro, oui. Et remerciez-le pour le bouquet. Une touchante surprise. Hop, on prend le... Voilà, on a pris le truc. On est dans le rêve. Joy. Je crois que j'ai brusqué les choses en lui donnant mon double de clé. Allez, je l'appelle pas pendant 2-3 jours et j'ai pas eu le temps de lire. Pourquoi moi? J'ai rien d'une danseuse étoile ni d'un avant-gardiste. Désolé, messire, je passe mon tour. Donc là, c'est les rêves, Aldo. Il se rend compte que c'est pour moi que le public vient. 30%, Aldo. Oui, je me casse au Moulin Rouge. Eh, ça sonnerait bien. Et ce type au musée, pourquoi j'ai eu si peur? J'aurais dû l'attraper par les couilles et le descendre par mon piédestal. J'espère qu'il fera beau demain pour se mettre en terrasse. Et qu'elle me saoulera pas avec ses rengaines de mariage et d'évolution de carrière. Ça va être super, on va me donner du madame à tout bout de champ. Ah oui, à bientôt 30 ans. Et me demandez pas pourquoi j'ai pas d'enfant. Est-ce qu'elle est heureuse dans cette salle d'exposition? Et si je pouvais, je l'installerais dans une jolie clairière loin de Paris. Pour la statue, les courses. Il faut que j'aille au supermarché demain, absolument. Tampons, lardons, des haricots verts et un tiramisu hautement mérité. Il est quelle heure? Il doit être super tard déjà et j'arrive pas à m'endormir. Fait chier. Ah ouais, c'est les petits... Ouais, 2-3 jours pour lâcher la pression des tâches. Voilà, c'est un peu les rêves. Donc là, on va laisser passer. Aldo. Et ce type au musée. Parce que si je commence à refaire, bah, on va avoir un cycle à la, un cycle infini. Voilà. Allez. Ah, on est dans le musée. On est dans un rêve parce qu'on a notre tenue de nuit. La nuit dernière, j'ai encore rêvé d'un arbre immense, je crois. Journal des rêves de Gloria. Des caractères étranges forment des mots illisibles. Une princesse qui se noie. Une gueule béante. De la boue. Des coups. Ouais, parce qu'il y avait des gens qui jouaient avec de la peinture et l'autre des hommes et des femmes qui se frappaient, si je me rappelais bien. Ah, putain, ça m'a fait peur. Il y a Gloria, on a vu Gloria. Joy, et non pas Gloria, parce que Gloria, c'est la personne que je joue, mais Joy. Un corps inerte. Une captive. Une petite tache rouge. Alors que c'est une rose. Ah, on a vu un monsieur. Une marionnette. Joy. Une femme saisie de force. La désincarnation d'une femme. Oh là 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 là. Un destin tragique. Une tête de pantin. Voilà ma fameuse statue. Le maître. Pétrus, chair de femme, 1989. Mon dégoût l'emporte maintenant sur l'orgueil. Voilà. Aïe aïe aïe. Ah. Et voilà, on arrive un peu dans le fin mot du jeu. Voilà, là je peux crier. Pour un peu tuer les trucs méchants. Alors je sais plus où est-ce que j'avais été parce que je sais qu'à un moment il y a plusieurs chemins. Ouais, je peux juste crier.
Ok. Trop tard. On va prendre à gauche. Je sais plus où j'étais parti dans la démo. À droite, ça mène où? Ah bah, je peux plus y aller comme ça, c'est réglé. Ok. Ah, il y a le bouquet de fleurs. Ah, c'était pour aller vers le bouquet de fleurs, non? Je sais plus. Il y a le gamin qui regarde la téloche. Disons qu'on a eu de la chance. Ok, on peut pas le tuer. Bah, faut que je fasse quoi. Il a failli m'avoir. Je voudrais... Ok, rien du tout. Tu dégages. Ok, c'est par là qu'il fallait aller. Ah, il y a Joy. Donc ouais, là, on est dans un rêve. Bah. Joy. Tant de matière. C'est glauque. Vraiment glauque. Tant de chair. Merde, je l'ai pas vu. Putain, je vais réussir à mourir. Alors plus on tue les ennemis, plus la lumière se... Enfin, quand on se fait attraper, la lumière se rétrécit. Je comprends rien. Comment faire pour que votre autre moitié fasse vraiment attention? C'est le sujet du numéro spécial de ce soir. Merde, fallait prendre une voix de... De présentateur télé. Tant pis. Hop. Et maintenant? Ça dégage. Tampon, lardon, haricot. C'est la liste de courses. Allez! Mais la manette, elle est morte. Je vais mourir. Ça va, je suis pas mort. Bah, la manette, elle fonctionnait pas, je sais pas. Tant pis. Sortons d'ici. Ah, je vais jouer à la manette et au clavier en même temps. Joy! Gloria, te voilà! Je ne te voyais plus. Écoute, faut que je te dise. Dans la dernière salle, un type a abusé de moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? À moi, directement, rien. Mais ma statue, c'était pareil, Joy. Tout pareil. Oh, je vois. Gloria typique, qui se prend la tête pour rien. Ah, voilà. Le fameux truc du... Oh, c'est juste la statue qui a été violée, c'est pas toi, c'est pas grave et tout. Aïe, aïe, aïe. Et puis, ça ne devrait pas vraiment te déranger. Vu le métier que tu fais. Oh! Le métier que je fais. Aïe, 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 Joy. Mais c'est un rêve, on espère que c'est un rêve. Elle touche le point sensible. Alors, Gloria? On est avec la mère. Alors, cette statue, tu es contente? Elle est, disons, plus vraie que nature. Ah, tu dois être ravie alors. J'irai la voir quand il y aura moins de monde. Ça me fait une sensation bizarre quand même. Comment ça? Eh bien, c'est comme... Comme... Bien, laisse tomber. Reste que j'ai été surprise que tu acceptes de poser. Comme tu ne m'écoutes jamais, je n'ai rien dit, mais... Maman...
Une statue, ça met en valeur le sculpteur, mais pas le modèle. On se souvient de Rodin, mais pas du type qui a fait s'asseoir le menton sur le poing pendant des heures. Et pendant que ce sculpteur se donne une gloire, toi tu dilapides tes années et ton potentiel dans de cabarets sordides. Maman, Gloria chérie, tu es dessous, tu es danseuse, ton corps est ton gage-pain, ton gagne-pain. Tu travailles dur pour l'entretenir, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire, je suis passé par là aussi. Oui, oui. Et si tu essayais d'évoluer, les problèmes vont arriver plus vite que tu ne crois. Qu'est-ce qui te fait penser que je m'occupe pas de ma carrière? Il y aurait du neuf, chérie? Ma chérie? Eh oui, un nouveau projet. Un projet artistique. Encore une statue? Bien non, justement. Un show international, ce serait mon propre spectacle. Voilà autre chose, avec quel argent? Mais celui de la Fondation Saint-Louis. La Fondation Saint-Louis? Comme le groupe Saint-Louis? Tout à fait. Hervé Saint-Louis est un mécène de premier ordre et un de mes plus fervents admirateurs. Le bouquet de roses qu'il m'a fait livrer. Un truc énorme. Et il t'a abordé à la sortie de ton cabaret un beau soir? Non, tu te doutes bien, je l'ai rencontré à un cocktail. Ah, il est allé. Gloria, c'est rare, mais là je dois dire que je suis impressionné. Oui, on réfléchit à la tournée internationale, Tokyo, New York. Hervé me fait complètement confiance. Hein? Faudrait que je te rappelle son assistante d'ailleurs. Assez vite. Ah, il l'a pas fait. Cabaret le Black Swan, 19h. Il y a une personne qui danse. Toujours aussi cool les musiques. Les musiques de ce jeu, c'est un très très gros point fort. Tu m'avais dit, Aldo, que tu faisais des auditions. Tu m'avais pas dit que tu faisais des auditions. Hé, hey, Gloria, Stéphanie ne t'a rien dit. Hé, hey, vous m'avez rien demandé à ce sujet, monsieur. Oui, bref. Contente que tu sois là. Et je demande à la candidate d'arrêter un instant. Non. Il y en a plein encore à voir. Tu voulais me parler? Bon, comme tu le sais, tu es la danseuse la plus expérimentée et la plus bosseuse du Black Swan. Et par conséquent, tu m'augmentes? Ça, on verra. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Gloria, je souhaite que tu deviennes la head coach du Black Swan. La head quoi? Je t'explique. Alors entrée, on va passer de 5 danseuses à 8 ou 10. Sauf que les nouvelles et même les actuelles ont besoin d'encadrement. C'est des jolis minois, mais niveau technique, elles sortent pas de chez nous, nous ref. Alors j'ai pensé à toi, pour les encadrer, les entraîner. Aldo, entraîner des danseuses, c'est un boulot énorme. En plus de mes propres répétitions, je crois que je n'aurai jamais le temps. Pas en plus, Gloria, à la place. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, Aldo? Plus besoin de te creuser, de te crever sur scène. Je te passe chef entraîneuse à plein temps. Mais... aujourd'hui, tu le mérites, Gloria. Je veux pas être sur le banc. Ah. Je veux continuer sur scène, Aldo. C'est ça, mon métier. L'année prochaine et l'année d'après aussi, et... Gloria, tu sais bien qu'il faut passer le relais un jour. Ça fait 9 ans que tu es sur les planches. J'ai même pas 30 ans, Aldo. Tant mieux, ça fera une telle... toi, une entraîneuse proche de tes danseuses. Tu verras, diriger les autres, on s'y fait très vite. Aldo. Allez, va. Je t'en supplie. Quand tu auras pris un peu de recul... tu me remercieras, tu sais. Immeuble de Gloria, 20h. Donc voilà, il y a beaucoup de changements dans sa vie. Joy qui avait l'air d'être assez mal à l'aise. Qu'on lui a donné le double de notre appart. Aldo qui veut nous mettre un peu sur le banc, en passant en tant que chef entraîneuse. La statue violée. Saint-Louis qui nous a... Saint-Laurent, Saint-Louis, je sais plus qui nous a appelé. Je me demande si mes voisins s'approchent de ma porte comme ça aussi. Ah, je peux pas voir les autres portes. Ah, Joy est là. Joy. Désolé, je passe sans prévenir. Non, t'as bien fait. Pourquoi tu n'as pas attendu à l'intérieur? Tu n'as pas ma clé que je t'ai donnée? Si, elle est là. Encore dans sa boue. Ce n'est pas la clé, Gloria. Écoute. Vas-y, j'ai l'habitude d'écouter en ce moment.
c'est toi et moi. T'es une personne géniale, t'as tout pour toi. Franchement, j'ai passé des super moments depuis 3 mois avec toi. Mais voilà, au-delà de ça, au-delà du bon temps, je... ne m'y vois plus. D'accord, ok. Du coup, je te rends ta boîte, ta clé. C'était une jolie attention de ta part. T'as le droit de m'en vouloir ou de ne pas être contente, Glo. Ça serait normal. À propos de... de tout ça, de moi qui m'interme à notre relation. T'en vouloir pour ça, y a pas de raison. Ça me soulage à vrai dire. On est si différentes. Ça n'aurait rien donné. T'as peut-être raison. Allez, file. Tu dois avoir des cours à réviser. Prends soin de toi, Gloria. C'est vraiment un monde qui s'écroule. Elle a l'air d'être toute heureuse et tout, mais... tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Aïe, 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 aïe. Ah! Elle s'appelait Lizzie, il s'appelait Marco. Elle de Miami, lui de Rio. Et tous les jeudis, on danse chez Jo. Voilà, on est en train de danser. Ah mais je suis trop foiré, allez, let's go. Non, c'est normal, je pense, c'est normal. Aïe, 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 aïe. Le monde qui s'écroule, le monde de Gloria qui s'écroule. Allô? Bonsoir, c'est Gloria Bestat, des Bastes. Gloria, un plaisir de vous entendre, comment allez-vous? Tout à fait bien, merci. Bon, c'est d'accord. La proposition de Monsieur Saint-Louis. Le spectacle, la tournée, ce que vous voulez faire, j'accepte. Allô? Oh oui, pardon, l'émotion. C'est une très bonne nouvelle. Écoutez, Gloria, il ne faut pas traîner maintenant. Je vais vous proposer un rendez-vous avec Monsieur... je regarde son agenda. Demain matin, à 7h30, au Bois de Boulogne. Au Bois de Boulogne? À 7h30 du matin? Oui, mademoiselle. Monsieur Saint-Louis aime le calme matinal du lieu. Cela vous pose-t-il problème? Non, c'est... très bien. Je vais vous indiquer où vous rendre, écoutez bien. Au bout de l'allée principale, il y a un chemin à droite qui coupe à travers le bois. Voilà. On arrive au niveau du... voilà, on est dans le Bois de Boulogne. Prenez ce chemin et descendez-le jusqu'au plan d'eau. Monsieur Saint-Louis sera là-bas. Il y a des chaises un peu... voilà. On sait, le Bois de Boulogne, il est réputé pour quoi? De nombreux artistes ont peint ou chanté cet endroit. Vous vous sentirez comme chez vous. Au prochain épisode, il y aura un peu moins de dialogue, si je me rappelle bien. Il y aura un peu de dialogue, mais beaucoup moins. Je me pèterai moins la voix dans le second épisode. Monsieur Saint-Louis? Ah, le voit. Là. Ah. Aïe, 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 aïe. C'était pas Monsieur Saint-Louis? Je viens de me faire paf, paf, marave la gueule. Et voilà, on va s'arrêter là. Acte 2, la captive. On a fait tout l'acte 1. En un épisode, je pense que ça va être un petit let's play. Le petit let's play va pas durer 15 épisodes. On va s'arrêter là. Jour 1, et on est en captivité. Voilà, on est enfermé. C'est ici qu'on va s'arrêter. Et voir si je peux pas mettre en pause. Voilà. Donc, c'est ici que ce let's play s'arrête. Enfin, ce let's play, cet épisode s'arrête. J'espère que ce premier épisode de Décarnation vous a plu. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, partager et activer la cloche. Me suivre sur Twitch, Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description. Comme d'habitude, c'était Link. À plus tout le monde. Bye bye.